suffit. Nous avons décidé que tu ne devrais plus jamais le revoir. Ça, c'est hors de question. C'est un ordre. J'en ai rien à faire de tes ordres. Tu sais, j'ai bien le droit d'aimer qui j'ai envie. Tu l'aimes? Oui, c'est vrai, papa, je l'aime. Salagadoula, bechikabou, là j'y suis vraiment à bout, si tu continues comme ça, attention à toi, tu verras, je vais t'éclater, tu vas regretter, et tu vas commencer à pleurer, tu ferais mieux de commencer à vraiment en t'activer, hey. En exclu? Ça part en couille, ça part en deux, ça part en couille, y'a les keufs, y'a les hanos, ça part en fouille, faut vite partir d'ici, faut vite se visquer d'ici, trop de keufs sont des rips, ils cherchent à nous mettre à bout. Trop de finesse, trop de sagesse, dans mes propos je risquerai trop. Leur monter les nerfs, le moyen de terre, je quierai pas de leur plaire. Parce que j'en ai rien à faire, parce que j'en ai rien à faire. Les yeux rouges comme un Malaga, l'odeur de la panzette là. Ya ya, ça vient de Meudin. Ouais, 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 faut voir ça. Vitre teintée et de la fumée, comme un joint que l'as arrivé. Et ouais, ça y est, on est fait. Course poursuite dans la cité. Comment manger le pain? Étape 1, prendre le pain. Étape 2, mâcher le pain. Étape 3, avaler le pain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Excusez-moi les filles, pardon, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je sais pas si vous pressez pas. Je t'ai entendu chipper. Tu peux m'apprendre à chipper ou pas? Non, vraiment. Bah, tu fais comment avec la bouche et tout pour chipper? J'ai ma carte bancaire, je sais pas si tu prends la carte. Non, vraiment. Mais elle va aller faire un retrait. Ok, enfin, mais je pense qu'il y a une bonne part là. Oui, la voiture. Là, tu vois, je viens de louper mon bus. Ça veut dire que là, pour rentrer des cours, j'ai aucun moyen. Le pire à la campagne, c'est qu'il y a des bus toutes les 1 heure. Tu comprends pas ta vie. La vérité, moi, le matin, pour aller en cours, j'ai qu'un bus à 7h et un bus à 8h. Sinon, c'est fini. Poteau, on en parle là des transports. De la SNCF qui supprime leur train comme des photos Instagram. Là, je sais pas où je suis archi perdu, genre. Like si ça vous est déjà arrivé de vous perdre, parce que là, what the... C'est ça d'être à la campagne. Tu loupes un bus, c'est fini pour toi. Hunger Games, poteau. Wesh, mes cachous, idiot. Oula, bla bla. T'as dit quoi le soir? Pour se à quelle heure? À quelle heure? Bon, t'as dit quoi le soir? On mange à quelle heure? À quelle heure? Des feuilles. Ouais. Oula, ça t'arrache loin là. Oula, bla bla. C'est deux cannibales. Deux cannibales, ils sont à la table. Il y en a un, il dit à l'autre, j'aime pas du tout, ma belle-mère. L'autre, il dit, mais mange les carottes au moins. Maintenant, on va bosser. Et voilà, le nouveau bureau. Ça, c'est la classe, quand même. Ah, parce qu'on est là pour bosser, quand même. C'est faut pas abuser. Faut déconner, hein. Ah, faut pas déconner, gros. Pas des vacances. C'est que travail. Ah, j'avoue que quand même. C'est un bon emplacement. Je suis un clochard maintenant, je suis plus au CPS, né au chômage. Je viens de m'acheter ma Ferrari. Merci à Bécard pour la Ferrari. Ah, file-moi ça, je viens de sortir la Ferrari. 80 000 euros. Allez, j'appelle les flics. Oh, ma Ferrari. Allez, on y va. Comment ça va? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je pars au bled. Et j'ai acheté une bague comme ça quand il y a Bédard. Mais sorry, I'm married. Inch'Allah, ce serait maille. Inch'Allah. Kotzer. Saddam Hussein. Le charbon. Moi, je vais aller faire la Troisième Guerre mondiale. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un missile. Allez, bisous. Yes. Yeah, of course. Yeah.
But because we are on fashion like a point of sardine, like, yes, M, yes. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, pourquoi tu roules pas vite à Dubaï, etc. Pourtant, t'as une grosse voiture. C'est normal. Je suis pas le seul à rouler en Ferrari. Eux aussi, la police, ils roulent en Ferrari. Mais bon, mais elle intéresse des millions de personnes depuis des années. Norman a grandi, mais il est toujours dans l'arène. T'es sorti avec 30 mecs et t'appelles ta chose là? Partie intime. Répète après moi. Chargeur universel. Splendide! Et bonjour la classe, maintenant on va s'éclater. Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Qu'est-ce que vous dites? Oui, je suis célibataire, j'ai 22 ans et j'habite en Normandie. Mais m'envoyez pas vos CV en fait. Je ne recherche personne. Je vais pas y arriver. C'est moi, c'est la Gamelle. Et toi, Poto? Ça va bien? Tranquille? Alors, ça fait plaisir de se rencontrer ou quoi? C'est vrai, et de l'avoir comme ça fait plaisir. Où est-ce que Gamelle? Les deux. Oh la Radim, j'en ai rien à foutre. Oh la Radim, j'en ai encore plus rien à foutre. Alors, je vous explique. Donc, vous le savez, j'ai des échographies de moi étant un garçon. Avec un sexe masculin. Mais, actuellement, je suis une fille parce que je suis née étant une fille. Je ne suis pas un trans. Voilà. Qui roule? La prochaine fois que je t'entends parler de moi, hein, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. Bim! Et tu vas voltiger jusqu'à Mars ou Pluton. Ouais, ouais, Lilia. Hop, 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 hop! Regardez ce que j'ai fait, les gars! Oh, oh. Right. C'est relou, sérieux! Tu sais parler de mon mec ce matin et il en a rien à foutre. Mais j'ai quand même décidé d'être la plus jolie pour être la plus triste. Et ça, c'est important. Vous savez, le 14 février, on s'en fout! On s'en fout! Le 14 février, c'est un jour comme les autres! Je mange seul, je dors seul, je fais caca seul! Ah, tu fais quoi le 14 février avec ta copine? J'aime pas! Voilà, ta gueule. Je fais rien. Ça ne te rigole. Viviano. Oh, Viviano. Oh, Viviano. Oh, Viviano. Rue de la... T'étais... On est dans la maison, tu mets tes lunettes de soleil, tu crois où? Ouais, bizarre. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Vas-y. Et je vous vois venir tous les coiffeurs et toutes les coiffeuses là. Ah, tu découpais la frange avec des ciseaux de cuisine? Oui. J'ai déjà des super projets en ce moment. Franchement, je me rends la vie vraiment plus simple. Pas me filmer ou je sais pas quoi pour essayer de gratter du buzz ou je sais pas quoi sur le camp, je vous préviens. Parce que sur le camp, je vais vous démarrer direct et je vais prendre votre téléphone. Je vais vous montrer c'est quoi un produit de tarterelle. Sur le camp, parce que vous êtes des hypocrites.